Bonjour, bonjour la team, j'espère vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 12 janvier et on va travailler avec un des nouveaux albums, enfin albums, blocs comme ça, de chez Action, vu que il y en a plein et même moi on s'est dit que c'était pas terrible terrible. Et bien écoutez, on va essayer de faire un album avec ça. On va bien voir ce que ça va donner. Normalement, ça devrait le faire si bon, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Donc on va prendre celui-ci. Alors, j'ai vu un tuto, je ne sais plus je sais plus le nom, mais ça vient pas de moi. Alors, avec des enveloppes. J'adore faire les albums avec les enveloppes. Et là, vous allez voir que celui-ci, il est extrêmement bien. Donc, du coup, j'ai acheté des enveloppes chez Action. Alors, les enveloppes, ça sert toujours, hein, de toute façon, pour envoyer du courrier, etc. Ou pour le scrap. Voilà. Alors, le dernier album que je vous avais fait avec les enveloppes roses, c'était celle-ci que je vous disais que vous pouviez utiliser. Vous voyez, comme les enveloppes blanches, comme ça, vous pouvez faire l'album que je vous ai montré la dernière fois. À part que, bah voilà, ça sera blanc et ça sera pas rose comme moi j'ai utilisé, mais c'est pas un souci. Alors, vous allez prendre des grandes enveloppes comme ceci. Donc, ça vaut. Ça vaut 80 centimes, un truc comme ça. Donc vous en avez 25 dedans. Et comme je vous dis, ça peut vous servir pour faire des envois. Donc elles font donc 16,2 par 22,9. D'accord. Donc on va prendre déjà celle-ci. Et vous allez prendre le nombre d'enveloppes en fait que vous voulez de pages. D'accord. Donc moi je ne vais pas en faire un gros parce que sinon la vidéo va durer 3h30. Hein. Donc c'est juste pour vous montrer comment on va procéder en fait. Donc là je vais en prendre une. 2, 3, 4. Ok, donc vous en prenez 4 grandes. Ok, comme ça. Ensuite, j'ai pris donc celle-ci que je vous disais. Elles font 11,4 par 22,9. Donc celle-là, on verra combien on en utilise. Ensuite, j'ai pris des... Comme ça où il y a les cartes alors je voulais des autres mais il n'y avait pas donc tant pis ce que je vous disais l'autre fois que j'avais pas trouvé donc celles-là elles font 13 par 13 normalement voilà 13 par 13 enfin 14 par 14 au niveau de l'enveloppe et ensuite j'ai trouvé des enveloppes comme ça que j'avais à l'intérieur donc elles font c'était ça que je voulais chercher 14 et demi mais moi je voulais celles qui font 15 vous savez ben voilà j'avais pas trouvé donc c'est pas grave 14 et demi par 11. Voilà. Donc, il va vous falloir, voyez, 1, 2, 3, 4 types d'enveloppes. Et encore, vous pouvez en mettre des plus petites, etc., etc. Vous allez voir que ça va faire un album, pardon, qui va être top. Voilà. Alors, par contre, là, on a ça. Ça va être chiant. Mais bon, c'est pas grave. Donc, vous allez déjà prendre vos deux enveloppes comme ceci et on va coller ce bord-là sur celui-ci. Puis ça, après, on l'enlèvera après quand on mettra les papiers dessus. Donc là, vous allez coller. Alors, par contre, vous n'allez pas coller bord à bord. Là, vous allez laisser un petit espace en fait pour que l'album s'ouvre bien, que ça gêne pas à l'ouverture. D'accord? Vous laissez 2-3 mm où vous ne mettez pas de colle. Comme ça ne gênera pas au niveau de l'ouverture. Donc là, vous allez mettre de la colle. OK. Et vous allez coller votre enveloppe sur celle-là. Et vous allez faire pareil. Donc, du coup, pour les quatre enveloppes. Donc là, la vidéo risque d'être assez longue. Je vais essayer de couper quand je vais couper mes papiers. Et là, vous alignez bien vos deux enveloppes. Et vous allez faire pareil pour celle-ci. Ah, j'ai trouvé ça top et j'ai dit ben oui. Et pourquoi j'y avais pas pensé? Pourtant, je vous ai déjà fait hein, des albums déstructurés, etc. Mais pas comme ça. C'est vrai que on n'avait pas fait comme ça. Et ça, c'est une bonne idée, une bonne alternative en fait. Voilà, hop, vous mettez de la colle et vous collez votre dernière enveloppe. Vous avez fait ouais, déjà un album déstructuré que vous avez bien aimé. Mais comme ça, jamais. Voilà, donc là, vous avez collé vos quatre enveloppes. Par contre, vous les collez, vous êtes bien alignés. OK? Là, on va enlever ça.
Hop. Et on va coller la dernière. On n'en a pas besoin. Voilà. Donc là, on a nos quatre enveloppes qui sont collées. Donc, pour commencer, on va prendre les plus petites là. Celles qui font... Alors, vous commencez par celle que vous voulez. Hein. Moi, je commence par celle-là. Alors, le problème, c'est que là, on a un peu de bleu. Donc, j'espère que ça ne va pas trop se voir avec, avec mes papiers. Elles ne sont pas blanches-blanches. Mais bon, on va s'arranger, j'ai envie de vous dire. Ouais, elles font 14,5. Celle-ci par 11. Donc là, je vais en prendre deux. Vous allez les prendre. Alors après, vous faites comme vous voulez. Hein. Ça, là, c'est vous qui voyez comment vous voulez partir. Enfin, là, vous pouvez faire après à volonté. Vous allez mettre de la colle sur le sur la fermeture de l'enveloppe ici. Donc, vous allez en coller une en haut. Donc après, si elle ne fait pas la taille de l'enveloppe, c'est pas très grave. Vous essayez de vous coller à peu près au centre de votre enveloppe. D'accord? Voilà, vous collez tout en haut ici. Donc là, ça va vous faire une page comme ça. En sachant que là, vu que c'est une enveloppe, vous pouvez faire une page avec un petit à l'intérieur, une petite pochette. Ok? Là, vous allez mettre de la colle pareil. Voilà. Et vous allez faire la même chose. Vous allez le coller sur le bas. Voilà. Et vous essayez de vous aligner à celle que vous avez mis en haut, que vous soyez voilà, à peu près. À peu près centré. Voilà, donc là vous allez avoir en fait quelque chose qui va s'ouvrir comme ça et comme ça. Donc ça va vous faire une page comme ceci. Ok, donc là vous allez prendre, après on a celle-ci aussi, les 13 par 13. Donc pareil, vous pouvez en coller une en haut, mais là vous pourrez pas coller une en bas, ou alors vous collez juste une ici. D'accord, donc là ça va vous faire quelque chose comme ça, ou vous pouvez la coller dans ce sens là. Après, les enveloppes, vous jouez avec, vous les collez en fait comme vous voulez. Donc moi je vais la mettre sur le côté ici en la centrant par là. D'accord, non, on va prendre une comme ça d'abord en premier, parce que là j'ai mis des petites, je vais mettre une grande. Donc je vais prendre une des grandes qui est là, là. Je trouve celle-là, je m'en servirai même pas des 13. C'est pas celle-là que je voulais. La fille, elle est chiante. C'est pas celle-là que je voulais, donc je la veux pas. Donc là, je vais prendre une des grandes comme ça, que j'ai là. Et elle, normalement, fait la longueur de l'autre. Regardez, pile poil, pim, hop, on se cale. Elle fait carrément la longueur. Donc on n'a même pas besoin de retoucher, de recoller, etc. Donc là, vous allez mettre de la colle, pareil, sur la petite languette. Là, alors soit vous le mettez de ce côté, au pire si on le met là, ça va nous cacher peut-être le bleu qu'on peut avoir sur le côté ici. Vous voyez, là. Mais moi je vais la mettre dans ce sens là. Donc là, vous collez. Après vous, vous jouez, c'est, j'allais dire c'est une partie de Mikado, mais non, mais voilà. C'est après vous, vous jonglez. Donc là, vous faites comme ça. Pour celle-là, après bon, moi j'ai fait ici. En sachant que là, vous pouvez faire une double page. Donc là, vous avez votre enveloppe qui est comme ça. D'accord? Là, vous pouvez prendre une deuxième enveloppe et la coller. Et la coller. Alors, attends, je ne vais pas y arriver. Et la coller à l'intérieur. Et là, ça va vous faire en fait une double page. Tac et tac. Comme un accordéon. Ok? Tac, tac. Alors après, faut pas faire non plus trop épais parce que voilà, vous allez avoir trop d'épaisseur. Même là, j'espère que j'ai assez collé assez loin les choses. Donc voilà, là vous pouvez. Mais après, ça peut vous donner des idées pour faire vos pages justement dans un album plus gros. Donc là, on va faire que comme ça pour le moment. Tac. Donc là, après, on a encore ces pages-là et on a encore cette page-là. Donc là, je vais en mettre une comme ça. Voilà, encore une grande. Et là, je vais la mettre à l'inverse, ici. Donc voilà, vous alignez bien au bord. Vous regardez que ça ne coince pas. Voilà, vous alignez bien. Et là, vous avez fait une autre page, mais dans ce sens-là.
Donc là, on va prendre une de 14 par 14 et je vais la mettre en haut. Après, vous pouvez remettre aussi une grande enveloppe comme ça par-dessus. C'est pas gênant, vous pouvez. Alors là, pareil, vous vous centrez à peu près. Hein. Voilà, tac. Et là, j'en mets une comme ça. Donc là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de découpe. Hein. Tac. Et là, il nous reste ces deux pages. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez remettre une autre page comme ça. Ou vous pouvez mettre... une double page. Enfin, après, vous faites comme... Comme vous le sentez, avec le nombre de photos que vous voulez. Une fois que vous avez la base de cet album là, en fait, avec toutes ces enveloppes, après ben, vous faites comme vous voulez. Hein. Et je trouve que c'est top. Et pour celles qui ont voilà, qui débutent, etc. Franchement, c'est en niveau album. Là, vous pouvez faire un album qui a de la classe avec plein de petites pages et tout, comme font souvent les pros là, elles font des trucs de malade avec rien en fait. Parce que quand vous regardez, c'est avec rien. Moi, je la colle là, moi. Donc là, on a fait ça, là, on a les deux pages, là, on en a fait une dans ce sens-là, là, on en a fait une comme ça, là, on en a fait deux comme ça, et là, je vais reprendre du coup une grande, hop, que je vais mettre. Là-bas. Et comme je vous ai dit, les enveloppes, en plus, vous pouvez les transformer en pochettes. Donc, vous pouvez faire des cachettes, vous pouvez faire plein, plein de trucs. C'est juste énorme. Moi, j'adore ce système. Franchement, voilà. Bon, moi, je vais faire simple. Mais là, après, vous pouvez, comme je vous ai dit, bon, on va le faire. Allez. Donc, à faire, ça fera qu'une coupe de plus. Donc là, vous allez prendre votre page. Vous mettez de la colle sur la languette. Alors, j'espère que je suis claire, hein, d'accord. Mais vous voyez, c'est pas compliqué. Vous mettez de la colle sur la languette et tout simplement, vous venez la coller sur l'enveloppe ici. Et ça va vous faire une double page toute seule, vu qu'il y a déjà la languette. Vous n'avez pas besoin de faire de plis, vous n'avez pas besoin... Là, vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14h pour ça. Hein. Tac. Vous collez bien, vous vous alignez bien surtout. Et là, regardez, tac, vous avez... une double page qui est créée sans rien faire. Elle est pas belle la vie. Et voilà, votre album est terminé. Il n'y a plus qu'à le décorer. Sans déconner, on a mis 10 minutes. Donc, là, on va prendre du papier. On va commencer à découper des feuilles. Donc déjà, on va commencer à couper les feuilles pour les fonds, là. D'accord, qu'on a. Donc, on a 1, 2, 3, 4... 5, 6, on a 6. Je compte pas après la page, les pages de couverture. Donc il va nous falloir 6 papiers. Et là, hop, je vais bien mesurer parce que vu que moi mes enveloppes par contre sont bleues à l'intérieur, ça c'est un peu chiant. Alors, 6. Alors, on a dit que les enveloppes faisaient 16 et quelques. Par 23. Donc, je vais essayer de faire... du coup, je vais faire 22 et demi. Mais là, je vais quand même essayer d'aller à 16 pour cacher le maximum de bleu que je peux avoir. Alors, c'est parti. Donc, on va prendre des feuilles. Bon, je vais prendre au hasard un petit peu de tout, d'accord? Parce que bon... En plus, c'est des mesures un petit peu... Alors, on a dit qu'il fallait 6. 1, 2, 3, 4. Mais en plus, avec les chutes, après, ce qui est bien, c'est qu'avec les chutes, après, ça va servir pour les petites enveloppes. Alors, c'est parti. Donc, il nous faut du papier qu'on va couper à 23, du coup. Ça, hein. Alors 23 ouais par 16.
Donc je vais faire quelques découpes avec vous, mais pas toutes, sinon bah, je vous dis la vidéo elle va durer super longtemps. Donc 16 par 22,5. Alors après, si vous avez des enveloppes vous où il n'y a pas de bleu, c'est encore mieux. Alors en plus, ça fait un grand album pour une fois. Alors attendez, tac, tac. Je vais voir ce que ça donne avant de découper le reste. Voir si on est pas mal au niveau du bleu. Ouais, au niveau du bleu, on ne voit pas comme ça. Mais après, si vraiment vous avez trop de bleu là, vous pouvez toujours le cacher avec... soit vous mettez un bout de papier blanc ou soit dessous là vous mettez à l'intérieur là vous mettez un papier justement blanc que vous collez. Voilà, je pense qu'on va faire ça d'ailleurs. Donc ça c'est bon. Allez, c'est parti, je découpe et je reviens. Bon voilà, normalement j'ai découpé tous mes papiers, j'ai coupé des petites bandes blanches. Hop, que je vais venir coller en fait dessous là. Voilà, pour pas qu'on voie le bleu. Alors, je vais voir ce que ça donne. Donc, je les ai coupés à un peu moins de 23 sur 3 cm. Je vais les glisser dessous. Voilà, voilà. Et comme ça, on ne verra pas le bleu là, tac, de mon enveloppe. Ou moins que s'il n'y avait pas ça. Voilà, tac. Et ça, je vais le coller dans tous les... toutes les enveloppes là où j'ai le blanc. Où j'ai le bleu, je veux dire. Je crois qu'il m'en manque une languette, j'en ai coupé que 3. Voilà. Donc ça, c'est pas là. Et après, pareil, pour celle-là, on fera aussi des petites languettes. Pour les autres côtés. Hop. Donc après, bon, c'est cette action, elles sont, il y a le bleu à l'intérieur, mais vous voyez, on peut toujours récupérer. Après, si vous en trouvez en couleur, etc., ben, ou toute blanche, ben vous prenez. Si vous avez des toutes blanches, moi, j'ai pas. Vous voyez, on peut s'adapter et faire des choses même si on a. Donc, alors moi, je coupe des bandes de 3 cm. Après, de toute façon, il y a le papier qui va aller dessus. Donc, ça ne se voit pas. Alors, moi, je vous dis, je fais ça. Maintenant, vous pouvez faire aussi avec... tout simplement, vous décorez avec du washi, vous savez. Vous mettez un bout de washi dessous et ça décore. Vous n'êtes pas obligé de faire des petites bandes blanches comme moi. Après, c'est vous qui voyez. Attention, on verra, je pense, quand même un petit peu de bleu. Après, c'est pas gênant puisque j'ai quand même du bleu sur mes papiers, j'ai du rose, etc. Donc voilà. Maintenant, si vous préférez. J'avais pas pensé à ça. Si vous préférez avoir que des enveloppes bien blanches, bah, vous les achetez à Carrefour ou je sais pas où est-ce qu'il y a les enveloppes toutes blanches en bleu dedans. Voilà. Hop. Bon, moi, celles-là, elles vont très bien aller. Vous allez voir que ça va fonctionner quand même. Et on verra pas. Ah, là, j'ai oublié celle-là. Et on verra pas par la suite trop le bleu. Donc, je vous montre quand même cette étape. Parce que si vous me dites, ah, il y avait du bleu, Betty, comment ça se fait qu'il n'y a plus de bleu? Voilà. Donc, je vous montre en fait que j'ai caché les parties bleues avec des morceaux de papier blanc, tout simplement. Voilà, mais comme je vous ai dit, vous voyez, on va peut-être en voir un peu, mais bon. Au pire, là où on voit un peu le bleu, je mettrai du papier bleu. Voilà. Mais non, il y en a encore un là. Il y en a encore ou pas? C'est à ce rythme-là. Ah oui, il va y avoir celle-ci.
on va voir au fur et à mesure. On va commencer déjà à coller le début. Allez, c'est parti. Donc là, vous prenez vos papiers déco et vous allez venir du coup les coller sur vos enveloppes. Hop, allez, c'est parti. Voilà. Donc vous commencez à décorer vos pages avec vos papiers. Voilà, toc et toc. Voilà le papier, vous voyez, ce papier là, il n'est pas... Bon, je vais pas en mettre sur celui-là, c'est pas bon. On va mettre un papier dans les tons de bleu. Comme ça au moins, on ne verra pas de trous, j'espère. Alors là, on vient coller. De toute façon, normalement, j'ai fait en sorte que les côtés, on ne voit pas trop. Voilà. Hop. Donc là, on a ça comme ça. Là, je vais mettre un papier rose. Je crois que j'ai pas découpé assez de papier. Vous allez me dire, c'est normal, hein? Donc là, on vient coller ça. Donc moi, je me dépêche pour la vidéo, hein, mais franchement, vous pouvez faire un truc top. Topissime. Ouais, vous voyez, là, même si on voit un peu de bleu après pendant votre déco, ici, là, ben, vous mettez un petit bout de washi, là, sur le côté, ça se voit plus, quoi. Et puis, comme je vous dis, là, le bloc, il est bleu, il est rose, donc, en tous les cas, donc là, il y a un peu de bleu. Donc, je vais mettre... Ah mince, moi, j'ai collé l'enveloppe dessus. Hop. Un papier dans les tons de bleu. Ah oui, il manque du papier. Voilà. Donc là, ensuite, vous collez vos papiers. Après, ça serait bien aussi de trouver que des enveloppes craft comme ça et de le faire avec des grosses enveloppes craft. Je pense que ça pourrait être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez, là, du coup, j'ai collé ici, là, dessous. Vous voyez, même là, dessous, vous pouvez créer une petite pochette ou quelque chose comme ça. Ça peut être sympa aussi. Donc, là, on colle aussi pareil que tout à l'heure. Tac. Vous voyez, il m'en manque une. Donc là, je vais découper celle qui me manque et on va coller ensuite. Et je pense que je vais en même temps découper un petit peu pour les autres enveloppes. Allez, je reviens. Allez, me revoici, me revoilà. C'est le carnage de partout. J'ai du papier partout. Alors là, comment vous dire que au niveau des chutes, on en a un paquet. Voilà, mais après, on peut toujours faire des bases de cartes, des cartes, vous le savez, avec les chutes de papier ou même un petit album. Hein. On avait déjà fait ce style-là avec des chutes de papier. Après, c'est toujours possible. Voilà, vous voyez, ça fait quand même des petites chutes, mais il y a de quoi faire. Ou pour faire des, comment ça s'appelle, des découpes, etc. De toute façon, on n'a rien sans rien. Donc là, j'ai fait toutes mes découpes, hop là, de toutes mes enveloppes. Comme ça, c'est fait hors caméra, au moins. Au moins, ça, on gagne du temps par rapport à la vidéo. Donc là, ben, il ne reste plus qu'à coller. Hein. Donc là, j'ai fait toutes mes découpes de mes moyennes, de mes petites, etc. enveloppes. Donc après, j'ai retapé dans les chutes. Pour celle-ci, le problème c'est que les grandes là, ben voilà, elles sont tellement grandes qu'il faut reprendre des pages.
Mais bon, après, le problème, c'est même pas le problème, mais bon, quand on fait un album, dans tous les cas, il faut qu'on mette du papier. Donc voilà. Alors, du coup, alors là, j'ai du bleu, mais écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Après, on peut toujours y mettre du washi ou du ruban une fois qu'on décore avec nos photos. Donc voilà, je vais essayer de le coller un peu plus sur le côté. C'est pas gênant. Donc pour celle-ci. Ensuite, là, j'ai pris d'autres papiers, voilà. Donc j'ai pris au hasard, hein, j'ai découpé des papiers. De toute façon, celui-ci, il s'harmonise assez bien, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je vais mettre les deux mêmes. Voilà, je vais mettre un comme ça. Après, comme je vous dis, vous pouvez mettre vous pouvez créer des pochettes, etc., etc. J'ai pas avoir de place pour coller ça, moi. Mon bureau il est pas assez grand pour coller tout ça. Donc, vous voyez, ça fait un. Moi, je trouve que ça fait sympa. Ça fait un album avec plein de petites pages de. Voilà, moi, je trouve que c'est pas mal. Après, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, moi, je trouve que l'idée est très, très bonne. Donc, après, voilà, j'ai pris un papier Lambda. J'ai pris voilà, des enveloppes, comme je vous dis, de chez Action. Après, vous avez des enveloppes de couleur avec un beau papier. Tout ça pourra faire sympa. Et encore, je suis sûre qu'à la fin, celui-là, vous allez voir qu'il va rendre quand même bien malgré ce papier-là. Même là, après, vous voyez, là, j'ai collé contre le bord exprès. Et là, vous mettez une ligne de washi ou de ruban. Franchement, c'est pas. Alors, là, j'ai du rose. On va se mettre. Vous allez voir, j'ai pas coupé assez de papier comme ça. Putain, j'en ai fait 8, non? 2, 4, 5. Voilà. Je me disais bien aussi qu'il me manquait du papier. Alors, on va prendre celui-ci. Je savais bien que j'avais bien compté, mais bon, vous savez qu'avec moi, à chaque fois, il me manque des papiers, il me manque tout ça, tout ça. Alors, hop, mais là, il semblait que j'avais bien compté quand même. Donc là, vous centrez hein, dans vos pages et vous collez. Donc là, on colle ensemble. Pourquoi pas, histoire 2. Donc là, on va mettre un peu de vert. Vous voyez, ça s'assemble hein, quand même, les couleurs. Hein. On dit tout le temps, ouais, ça s'assemble pas et tout, mais en fait, une fois qu'on fait le montage, regardez. Ça va bien ensemble, ça harmonise quand même assez bien au niveau des teintes. Donc là, après, il y a la grande enveloppe. J'ai pris dans les tons comme ça. Donc, ouais, là, je me suis trompée. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé à 14, vous allez voir, tous les coups. Oh, je vais en couper à 14,5. Pourquoi j'ai fait ça? Alors que celles-là, elles font 14 par 14. Donc ça fait 13,5 par 13,5. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vous voyez, il fallait bien que je me trompe. Sinon, c'était trop facile. C'était obligé qu'à un moment donné, il y a un truc qui cloche. Bon, j'ai envie de vous dire, je préfère que ça soit plus grand que. Au moins, ça se retaille que trop petit. Et après, ben, on est obligé de reprendre un autre papier. On va voir si ce soit comme ça. Alors, attendez, hop, on en est ici. Donc là, j'ai mis. On a du bleu et un peu de vert. Donc, on va mettre celui-ci. Là, regardez. Vous voyez, ça va bien avec. J'aurais pu mettre les fleurs aussi. Hop. Voilà, ensuite on va mettre. Donc celle-là elle est déjà là, donc on va mettre celle-là.
Donc je colle avec vous comme ça, vous voyez le... commencer à voir les pages apparaître, etc. Et vous voyez ce que ça donne. Là, c'est pareil, on aurait pu faire une double page, vous voyez, pour ici. Donc là, on a re les petites. Et là, par contre, voilà, j'ai découpé celle qui me manquait tout à l'heure. Hop là. Donc, je vais mettre la gris foncé, puisque tout à l'heure, j'ai mis les plumes. L'avantage que ça soit recto verso, c'est qu'on a plus le choix au niveau des couleurs aussi. Voilà, on n'est pas obligé d'utiliser le même papier à chaque fois. Voilà, c'est vrai que là-dessus, l'avantage du recto verso, c'est ça. Donc là, un gris. Donc là, pour les petites, il va me rester. Donc je vais mettre, je pense, un comme ça déjà. J'en ai une, elle ronfle, c'est une catastrophe. Oui, toi là-bas, derrière moi. Elle ronfle comme si elle était fatiguée, cette chienne. Là, et là, je vais mettre... C'est pas droit, avec qui c'est pas droit? Voilà, et en dessous, on va mettre peut-être un plus... On va mettre un rose pâle. Ça nous fout. Donc là, hop, je vais mettre celle-ci. Là-haut, on va mettre le bleu parce que de toute façon, ce côté, c'est foutu. La narine bouchée, ça fait des bruits bizarres. Je croyais qu'elle avait lâché quelque chose, mais non. C'est la narine qui a un truc dans le nez. Hop. Et là, bah, je vais mettre le rose puisque là j'ai déjà les fleurs. J'ai pas pensé. Hop là. Mon bureau n'est pas assez grand. Alors. Hop. On est bon. On est bon. Et maintenant, il nous manque cette partie-là. On va avoir pas mal de bleu, mais comme je vous ai dit, on s'en fiche. On va mettre ça sur le côté. Hop. Donc là, on va utiliser un rose comme ça qui a du peps à côté du gris. Moi, je trouve que le gris et le rose... Ça va super bien ensemble. Mais après, les goûts, les couleurs, hein, comme je vous dis. Voilà. Et là, je vais mettre peut-être... Attendez. Est-ce que je ne mettrai pas un plus clair ici? Ouais, pour changer. Donc lui, on va le mettre là. Là, je crois que je ne l'ai pas mis en plus. Je vous dis, l'avantage d'avoir recto verso, c'est que sur une même feuille, on va pouvoir utiliser déjà deux teintes différentes. Et ça, c'est top. Voilà. Et là, il nous manque ça et ça. Donc, ben là, après, c'est les deux mêmes papiers. Donc là, je pense que lui, je vais mettre là. Donc après, j'aurais pu faire hors caméra pour que ça dure moins longtemps au niveau des... du collage, c'est vrai que des fois je le fais, mais là je voulais, mais je crois que vous n'êtes même pas bien centré. Dès que je bouge cette caméra pour parce que j'ai voulu faire face caméra hier pour vous pour la FAQ, donc voilà. Mais là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas droit du tout. Si, c'est bon, si, c'est bon. Bon, après là, il prend de la place, hein, donc du coup, voilà. Donc là, vous voyez, on a fini de coller, mais au moins, je voulais. Vous montrer au fur et à mesure, comme ça vous voyez les étapes. Ah oui, là par contre j'ai mal calculé mon coût pour le bleu. Non, mais ça c'est pas grave. C'est pas grave.
ce que je vous disais tout à l'heure, ici, est-ce que j'ai encore mon ruban autocollant? Où est-ce que je l'ai rangé? J'avais du ruban autocollant là. Dû le ranger. Bon bah après ça de toute façon c'est la déco, vous faites la déco après en mettant les photos dessus, après vous rajoutez voilà. Alors tac, et voilà, donc là on a fini de coller toutes les pages. Donc là il va nous manquer la page de devant. Donc vous voyez, hop, ici vous avez deux pages, ici une page, ici on a rien mis, ah si, elle est là. Je suis bête. Ici, ensuite là vous en avez deux comme ceci, et voyez finalement le papier il est plutôt pas mal hein. Et là, donc là bon ça me choque un peu, on va essayer de mettre quelque chose avant, et voilà, donc là on va faire notre page de couverture tout simplement. Alors là, soit vous laissez la tranche comme ça à chaque fois je vous le dis, ou soit vous y mettez un, voilà, moi des fois je mets voyez ce ruban là, là c'est j'ai un amour pour ce ruban ici, hop, que vous venez coller là pour faire la tranche, d'accord, hop, et après bah quand vous ouvrez de toute façon, voilà. Donc je pense que moi c'est ce que je vais utiliser. Donc déjà on va regarder ce qu'on va mettre comme page de couverture pour cet album là. Je pense qu'on va mettre un truc qui soit pas trop après, vous voyez ça, vous pouvez l'utiliser en page de couverture. Le Méli-Mélo, il est déjà fait quoi pour votre page de couverture. Je pense que je vais partir sur un truc comme ça. Et avec du je vais faire un côté comme ça et un côté un peu plus rose comme ça, voilà, parce que de toute façon il va me falloir deux feuilles, hop là, et là vous allez couper comme pour, c'est quoi ce bruit, mon lave-vaisselle pas fini. Alors aujourd'hui on est mercredi, j'ai pas fait grand chose. Alors là vous allez couper comme depuis tout à l'heure, donc c'était à 23, vous allez faire 22 et demi, d'accord, et ben là j'ai un trou de mémoire, donc là ça fait 16, et vous allez faire sur du coup 15 et demi. Et là, vous allez coller tout simplement vos papiers déco. Alors, si vous voulez mettre un ruban, il faut le faire maintenant. D'accord? Donc, vous allez mettre votre ruban ici. Vous le passez par-dessous et vous pouvez mettre un ruban. Moi, perso, je ne vais pas en mettre parce qu'il n'en a pas besoin. Voilà. Et voilà, je ne suis pas non plus forcément à fond pour mettre des rubans, moi, au niveau des... au niveau des albums, voilà, s'il n'y en a pas besoin, il n'y en a pas besoin. Mais là, si vous voulez mettre un ruban, vous l'attachez dessous ici et ensuite dessous à l'arrière, d'accord? Moi, là, je ne vais pas en mettre. Il reste fermé, il est assez, voilà, il tient très bien fermé, il n'y a pas besoin. Donc, vous voyez, le fait de ne pas avoir collé les enveloppes jusqu'au bout, voilà, ça vous laisse de l'espace par rapport au volume qu'on a mis à l'intérieur. C'est pour ça, ne collez pas jusqu'au bout. Laissez au moins 2-3 mm, comme je vous disais tout à l'heure, pour coller vos enveloppes. Les premières enveloppes qu'on a collées, les grosses, vous savez, au départ. Voilà. Donc moi, je vais mettre un côté gris et un côté rose.
voilà. Franchement, le format, il est top. Vous voyez, regardez. Franchement, enfin, moi, j'adore, quoi. Osez me dire que vous aimez pas. Non, je déconne. Après, vous avez le droit de pas aimer. Franchement, ça, c'est votre choix. Voilà, c'est vous qui voyez. Bon, je vais chercher deux, trois bêtises et je Bon, ben voilà, j'ai trouvé quelques petites bricoles. Voilà. Je vais essayer de prendre deux, trois images quand même de bloc, histoire de faire un rappel avec le papier qu'on a mis à l'intérieur, tout simplement. Voilà. Donc, je pense que je vais prendre ça. Et je crois que c'est tout. Là, au niveau déco, c'est pas le truc de l'année. Oh, tant pis, ça ira pas plus bas. Alors, c'est pas. Ouais, au niveau de la déco, là, dans ce bloc, c'est pas. Donc là, je découpe juste. Voilà, une photo de fleurs. Oula, je suis partie en. Je suis partie, oula, je sais pas comment je suis partie, mais j'ai le ciseau, il a flanché là. Bon, je dis que c'est le ciseau, mais non, c'est moi en fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait là, mais suis partie en cacahuète. Allez, ça va être juste un petit, voilà, un petit rappel pour tout simplement pour les pages à l'intérieur. Hop, donc j'ai pris un, j'avais pris deux. J'ai pris un gros cadre comme ceci, pareil, hein, ça vient toujours des découpes, etc. etc. Je ne peux pas me rappeler. Alors, après, voilà, vous ne me demandez pas d'où ça vient parce que je ne sais pas quelle dies c'est exactement, donc je ne pourrais pas vous dire. Donc là, je mets du scotch double face rouge que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Et du coup, j'ai un bon stock, je suis bien contente. Franchement, Chantal, elle a assuré. Alors, du coup, là, je vais mettre ça. Je vais mettre de la dentelle comme ça. Ça faisait longtemps. Pareil, ça, c'est de la dentelle. Alors, je ne sais pas s'ils en font encore chez Action, hein. Mais ça, c'est de la dentelle qu'on trouve, je ne sais pas si on la trouve encore chez Action. Donc, c'est de la dentelle plastique. Et moi, cette dentelle, depuis le début que je scrape, je l'adore. Voilà. Alors, elle existe en blanche. En un peu jaune, en grise, en rose, je crois. Et après, je ne sais plus exactement quelle couleur. Mais moi, ça, pour faire les tranches ou autre, c'est vraiment, voilà, c'est une de mes dentelles préférées depuis le début que je scrape. Voilà. Moi, je l'aime d'amour. Mais maintenant, je ne pourrais pas vous dire si on en trouve encore ou pas. Donc moi je l'attache comme ça. Voilà. Maintenant vous pouvez faire une tranche comme on fait des fois avec des rubans. Vous pouvez faire une tranche avec du papier. Enfin voilà, vous avez plusieurs systèmes pour faire ça. Voilà, moi là je la fais comme ça. Ok. Voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je vais la faire comme ceci. D'accord? Donc là, si vous avez peur que ça parte, c'est pareil, vous rajoutez un autre tissu dessus ou alors un ruban, vous voyez, de déco comme ça, là, de finition. Tac, et ça va vous tenir votre dentelle un peu plus. Vous voyez, vous mettez ça. Vous avez peur que ça s'en aille, vous rajoutez. Ça fait une protection supplémentaire. Alors, attendez 2 secondes. Faites des gosses. Bon. Bref. Elia qui vient de m'appeler parce qu'elle est dans le quartier avec les copains-copines. Enfin, bon, bref. Donc là, vous voyez, en même temps que je suis au téléphone avec elle, vous voyez, j'ai en même temps mis un petit ruban supplémentaire sur le derrière. Donc ça fait décoration. Et en même temps, ça maintient un peu plus la dentelle. OK? OK. Pourquoi à chaque fois, je vous dis OK? OK. J'attends que vous me répondiez. Hein.
Donc là, je pense que je vais mettre ça comme ça. Donc j'ai pris tout simplement une petite fleur, enfin une petite découpe de fleurs que je trouve sympa. Alors elle est dans les tons un petit peu bleu. Non, je vais la mettre par-dessus. Un petit peu dans les tons de bleu rose en fait. Ben, un petit peu comme ce qu'il y a en papier quoi. Pas y arriver. Donc je vais mettre, je pense, ces fleurs-là. Ensuite, j'ai pris La vie est belle en bleu volontairement, justement, pour que bah, ça aille, comme je vous dis, avec les papiers qu'on a à l'intérieur. Voilà, donc ça, je pense que je vais le mettre au niveau du cadre. Vous voyez, je ne vais pas faire un truc un petit peu plus... Voilà, je ne vais pas faire un truc de fou. Alors, je retrouve pas mes rubans autocollants. Vous savez pas où je les ai mis. Allez, c'est parti, on va coller ça. Déjà, ouais, je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Tac. On va coller déjà le cadre, ça sera fait. Donc vous voyez, ça va être une déco basique. Ça va pas être un truc de foufou. Mais je pense que ça va être sympa quand même. Donc là, on va mettre de la colle. Bon, finalement, je m'attendais à plus long la vidéo. Après, on a collé les papiers ensemble. J'aurais pas collé les papiers avec vous. Ça aurait été un petit peu moins long. Mais voilà, je voulais vraiment que vous voyez en fait les pages, comment elles se formaient, etc., etc., que vous voyez bien, voilà, c'est tout. Quoique après, je vous l'aurais montré une fois fini. C'était pareil aussi, hein, vous allez me dire. Alors, du coup, hop, on va coller ça. Bon, j'y arrive pas. Je mets pas de la colle là où il faut. Voilà, et bien. Alors, et la vie est belle, tac, au milieu. Donc, vous voyez, finalement, même avec les nouveaux blocs de papier, même s'ils ne sont pas sans sas, on peut quand même faire quelque chose de sympa. Franchement. Bon, après, c'est sûr, c'est pas du Stamperia ou des machins comme ça, mais là, franchement, l'album, on a utilisé. Franchement, on n'a pas utilisé beaucoup d'enveloppes. Hein. L'album, là, en lui-même, il n'y en a même pas pour. Je ne sais même pas s'il y en a pour 4 euros, quoi, mais même pas. Franchement, c'est déjà le bloc de papier vaut 2 euros, on n'a pas tout utilisé. Les enveloppes, il nous en reste de quoi faire encore 50 albums. Donc là, franchement, ça vous fait un album à offrir vraiment pour pas cher. Donc. Et puis moi, ça va. Finalement, je le trouve plutôt pas mal. Pourquoi à chaque fois que je cherche quelque chose, dites-moi, pourquoi je ne trouve pas? C'est dingue. Je sais pas. Je sais pas, je ne sais pas. Alors, hop, on va se prendre des petites perles comme ça, qu'on va se mettre. Déjà au niveau de là. Voilà. Hop. Ma couverture, je vais la laisser comme ça. Voilà. Je veux pas rajouter trop de choses dessus. Et là, j'avais sorti un washi pour enlever ça ici qui était trop rose pour moi.
Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hop, vous rajoutez du washi. Voilà, et en avant, guingant. Tac. Donc là, je mets un washi comme ça de ce côté. Après, de l'autre côté, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre autre chose. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Mais le bleu, vous voyez, des enveloppes. Vous pouvez le cacher facilement avec des rouleaux de washi. Pareil, les rouleaux de washi, j'en ai, je crois que j'en ai plus que dans un magasin. Tellement que j'en ai. Et c'est un truc que j'utilise jamais. Alors qu'on peut faire des trucs super sympas avec le washi. Vous voyez, donc là, vous mettez des washi de couleur ou du ruban ou de la dentelle et ça cache le bleu des enveloppes. Hop! Hop, et puis là en même temps, comme j'ai envie de vous dire, là ça se voit pas énormément. Maintenant vous refaites des papiers par-dessus. Vous voyez, c'est du papier bleu sur du bleu, ça se voit pas. Donc voilà. Et voilà, mon album est terminé. Donc oui, quand même presque une heure de vidéo, mais comme je vous ai dit, en soi il n'est pas très très long. Mais vous voyez comment il est grand. Enfin, moi voilà, je le trouve vraiment super sympa. Donc on le rouvre ensemble. Donc là vous avez deux pages comme ceci, une autre comme ça. Voilà, après, donc une qui vient comme ça, une qu'on a mis comme ça. Alors après, vous pouvez bien sûr en mettre une par-dessus qui va s'ouvrir et l'autre qui va s'ouvrir comme ça. Ou alors, on aurait pu en mettre une en bas et une en haut comme ça, hein, sans souci. Après, je vous ai dit, une fois que vous avez la base de cet album, et allez-y gaiement, quoi. Et là, on a la page double, comme ceci. Là, une fois que vous avez cette base-là, franchement, mais éclatez-vous, quoi. C'est, je sais pas pourquoi j'ai... Alors, autant je vous avais fait, je vous dis, un papier en déstructuré avec les enveloppes, pas dans ce sens-là. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé comme ça. Et là, franchement, c'est juste, juste génial, quoi. Parce que vous avez, je vous dis, un album avec des pages, des machins. Bon, là, après, c'est pareil, vous voulez mettre des aimants, faire un peu plus complexe, vous faites un peu plus complexe. Mais là, vous avez un album digne de ce nom pour rien et pas grand-chose et très simple à faire. Voilà, voilà. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto-là. Moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, frappez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous, la team.